les femmes, vous les charmes. Salut à toutes et à tous, bienvenue à une nouvelle émission Elle. C'est toujours un plaisir qu'ils m'ont avec vous pour nous partager un moment ensemble. Donc aujourd'hui, nous à Highlands, en compagnie de l'invité d'aujourd'hui. Il s'agit de Sharon Pauline. Alors aujourd'hui, nous pour cause beaucoup de gâteaux. Parce que Sharon, elle est pâtissière, mais elle a aussi un petit rêve qu'elle me dit à moi. Elle a toujours rêvé d'être animatrice à la MBC, bien sûr. Mais là, elle est dans le rôle de l'invité, je trouve que c'est déjà bien. Bonjour Sharon. Bonjour Clara. Ça va? Ça va et toi? Très bien, merci. Surtout quand on parlera de gâteau, ben, très bien. Oui. Alors, Sharon, nous allons directement dans le vif du sujet, comme on nous dit. Donc, au parti pâtissier depuis toujours. Non. Donc, on va pas raconter un petit peu le parcours juste avant de tomber dans la pâtisserie. Alors, avant, je suis travaillé dans un centre d'appel. Mm-hmm. Donc, au fait, moi, comment l'envie de la pâtisserie a commencé, je suis content de manger. Quel gâteau préféré? Qui m'a dit à toi, normalement, tu es napolitaine. Okay. Mais vu que tu es napolitaine, maintenant, ça te doux, ça te fait doux. Je ne suis pas trop content, mais tu es éclair. La mode dernière tendance, c'est Red Velvet. D'accord, oui, je crois que c'est la mode, hein, le Red Velvet en ce moment. Oui. Alors, raconte-nous call center d'abord, parce que tout le temps, nous rencontrons l'invité il y a quelques temps, il y a nous call center, c'est le monde particulier, call center. Raconte-nous comment ça passe. Alors, call center, normalement, il y a un petit monde, prend un lit, moi, tu as un petit travail call center, donc. C'est quelque chose de... Barbaté, comme on ouais, dit. Ouais. Voilà. Mais non, c'est un travail comme un autre. C'est un travail sérieux comme les autres. Mm-hmm. Ouais. Et là-bas, normalement, donc chacun et moi, comme on dit, c'est un monde particulier, donc je parle de l'ambiance, surtout sur le plateau. Souvent, nous t'en causons ça. Oui, comment ça se passe? De, par semaine, des fois, tu fais journée à thème. Tu as l'ambiance et tout, mais ben, tu es en mouvement. Mm-hmm. Mais tu parais tout le temps, mais sérieux d'un travail. C'était top. Mais vu que tu es dans un enfant, il n'y a pas, pas évident, comment dire. Mais même dans son appel, moi, tu peux le lancement, moi, tu peux avoir mon petit gâteau pour vendre avec mon petit collègue. D'accord. Que ben, il est content. Donc, ça a commencé comme ça? Oui, ça a D'accord. commencé comme ça. Et qui fait une, vraiment tombe dans la pâtisserie, dis-moi, donc de l'élu départ? Alors, au début, c'est vrai, c'est pour nous, mais pour la famille, parce que quand tu m'as enseigné auparavant, il y a du monde, mais c'est pénal le moyen. Pénal le moyen pour faire des enfants gâteaux. Encore un gâteau qui te trouvait, c'était ces bandes design extraordinaires. Mais c'est. Est-ce qu'il n'était pas le cas longtemps, hein, ouais. Le gâteau, je veux dire, qui n'est toujours un, oui. Mais basique. Mais, un gâteau à la crème. Oui. Ouais. Voilà. Mais plus aller mais quand tu c'est vrai, comment dire, ouais. Moi, c'était pas évident pour tout le monde dans chaque famille, par exemple, pour les fêtes des anniversaires, avoir un gâteau pour offrir à son enfant. Oui. C'est pour cela que moi, j'ai décidé que essayer plus lancement dedans, mais pour aider, m'a dit, enfin, pas pour juste aider, mais pour faire mon plaisir. D'abord. D'abord, ensuite pour aider les gens qui ont aussi de peine à s'accompagner le moyen, là, pour essayer de trouver un moyen pour faire ce plaisir, faire des enfants plaisir. Mm-hmm. Parce que les enfants, ils ont un gâteau comme ça. Mais peu importe que tu peux mettre un petit dessin là-dedans, ils sont contents. C'est ça qui m'a plus poussé moi, m'a dit, tourne vers la pâtisserie aussi. D'accord, et ça remonte? Donc, pour moi, ça fait 2 ans qu'il me sait penser, mais... Mm-hmm. Donc, là, penser, c'est une chose. Ouais. Mais quand on commence à mettre ça en pratique, vraiment. Donc, disons la première fois, c'était pour quel événement? Première fois, c'était le premier gâteau qu'il me fait, c'était pour une première communion. Ah, oui. Okay. C'était pour une première communion, donc c'était pour mon frère, en fait. Et ben mes bananes bien content. Tu connais quand tu peux gagner, mais comment tu peux féliciter toi, mais trouver dire oui c'est extra bon, c'est là qui te gagne courage pour plus aller de l'avant. Aller de l'avant. Ouais. Et c'était un grand gâteau pour combien de monde? Ah, c'était pas gros, disons 15-20 personnes. D'accord. Ouais. Alors maintenant Sharon, pour tout ce qui nous entreprend, nous gagnons une formation. Mais ouais. Où formation c'était? Ou même tu es au formateur. Voilà. Comment on apprend? Dis-moi un petit peu, combien de temps de passer loin internet, de faire des vidéos, oui, tout ça? Oui, je fais des vidéos beaucoup, YouTube, Instagram, même sur TikTok. Après, je fais des deux personnes aussi, auxquelles j'ai envie de remercier. Donc, c'est Manuela et Marjorie. Je dis c'est un grand merci, parce que c'est grâce à eux qui m'ont pu avancer. Même comme il y a un truc que je n'ai pas connu, toujours un petit call. Je peux aider moi là, c'est toujours là. D'accord. Et là, nous causons vraiment de ces débuts-là, Sharon.
Il faut dire Manuela, moi, ça ne fait que Manuela. Alors, Sharon, donc elle s'appelle Sharon Pauline. Alors, les débuts, c'est vrai qu'on nous pas, donc maintenant, nous sommes capables de dire une professionnelle dans ce qu'il faut faire. Mais au départ, je suppose, tu as raté, tu n'as pas trop cire, etc. Donc, comment tu alors, moi, gères avant, ça oui, moi, quand avant, pas trop cire. Oui. Moi, avant, je me disais, pour faire un gâteau, toujours, je vais essayer pour moi. Tout gâteau? Oui. Je suis contente, je me disais tout le temps, je vais essayer pour moi, je vais goûter. Je suis contente de goûter ce qu'il peut faire avant qu'il me vende. Mais je ne suis pas pour faire un gâteau qui est du monde, je vais faire un gâteau au pic, comme ça, non. Mais toujours, je vais try un petit bout, je vais dire, guetter. Ça veut dire, donc, si je vais un gâteau au chocolat, tu as l'air pour essayer avant. Non, mais là, ça, je vais finir avec la main. Je vais finir avec la main, mais au départ, c'était comme ça. Après, je vais commencer là aussi. Chaque gâteau qui me fait, pour moi, c'est un challenge. Mais d'après ce que les clients peuvent donner toi. D'accord, mais là, nous avons aussi tout du début, mais tout à l'heure, nous avons cause de tendance. Parce que dans le gâteau aussi, il évolue tout le temps. Et il y a aussi la clientèle qui est parfois très exigeante aussi. Donc nous avons cause cette partie-là un petit peu plus tard au cours de l'émission. Mais au début elle-même, donc c'est vrai, outil dans le call center, on décide de gâteau coteau, mais pour tout ça là, et bien, nous j'ai dit les moyens, par exemple, un four, un bon four pour capable faire un gâteau, un ingrédient, donc on nous fait un dé. Les corrects, dans la boutique du coin, supermarché, nous gagnons un ingrédient, mais qu'on nous fait en gros. C'est une gestion, tout ça. Donc, comment on fait pour gérer ça? C'était très difficile. Ou tu es déjà dans au four? Oui, je suis déjà dans au four. D'ailleurs, quand je un four normal. Un four normal, un petit four. Toujours, je vais faire mon gâteau. Mais c'est vrai pour côté ingrédients, côté matériel, c'est un peu difficile. Mais chaque mois, qui gâteau que je vendais, je ne pas d'après mais qui profite, je peux faire, mais je investis dans mon matériel même. D'accord. Parce que je me connais après devant, les poupées, meilleur. Aucun retour, l'investissement, tu es pris devant. Et au départ, est-ce que tu en as beaucoup? Bien sûr, le bouche à oreille, surtout une commencée, mais ça commence surtout pour la famille. Mais après qu'on travaille, il y a trop beaucoup. Comment on fait? À part ça, des cousines là qui aident, est-ce qu'il y a beaucoup de lèvres bonheurs, beaucoup de dormitoires? Il y a, oui, les bonheurs là, oui, dormitoires aussi. Je préfère, moi, dire plutôt à dormitoires, vu qu'il y a des enfants, toujours, c'est en bas la main, toujours, puis il y a une maman qui peut faire, puis on peut faire. Et surtout, il y a un gâteau. Oui, là, je préfère dormitoires, moi, il y a dormitoires jusqu'à 2h, 2h30 du matin. Quand même. Comme ça, moi, je me plie à l'aise, je me plie tranquille pour faire mon gâteau. Là. Mais le matin là aussi, il est un peu difficile vu qu'il y a des enfants à l'école, tout ça là. Mais je m'occupe de mes enfants. Après, je m'occupe de mon gâteau avant. D'accord. Et nous capables de dire, ça c'est votre métier, Esther? Oui, ça c'est mon métier. Ça fait un an qu'il me lance ma page sur Facebook. Donc là maintenant, nous capables de dire, c'est mon métier aussi. D'accord. Et à part des gâteaux, vous faites aussi autre chose? Non, à part gâteaux, non. Que des gâteaux. Juste gâteaux même, oui. La cuisine, côté la cuisine, pas vraiment. Plutôt la cuisine pour monsieur. Ou c'est gâteau. Donc, monsieur, c'est salé, vous, c'est sucré. Oui. Voilà. Alors, Sharon, pâtissière, mais c'est aussi une vie à gérer. Elle est épouse, elle est maman trois fois. Oui. Alors, on se retrouve juste après une petite chanson. Nous revoici alors, Sharon, dans tout ce qui nous fait, nous besoin gérer, nous besoin bien calculer, pèse le pour et le contre. Alors, être épouse. Être maman de trois enfants, dont un enfant qui est malade aussi. Donc, comment on fait pour alors, gérer tout ça? Normalement, il est malade depuis la naissance. Il est épileptique. Un fils ou une fille? C'est un fils. Il s'appelle Jersey. Donc, c'est la première de mes yeux, en fait. Vu qu'il a besoin de beaucoup d'attention, normalement, il est malade plutôt le soir. D'accord. Et il est malade. Donc, on connaît ça à la naissance. Donc, nous décide cause, ça c'est vrai qu'ils m'ont dit, nous cause essentiellement de pâtisserie, bien sûr. Mais comment vous connaissez, bande fidèle, c'est aussi une émission de partage. C'est aussi l'émission d'une vie, d'une femme, d'une maman, d'une épouse. Donc elle a voulu partager ça avec nous parce qu'il y a certainement d'autres femmes qui peuvent nous aujourd'hui, qui ont des enfants qui sont malades. Donc partagez. Oui, parce que me connaissez, c'est assez difficile vu qu'épilepsie, nous allons dans deux, trois façons. Oui. Des trois façons, il y en a qui tombent comme ça devant toi. Maman, mon garçon, il est malade plutôt dans le sommeil. Mais pour tomber comme ça, c'est bien rare. Mais le soir, là, plutôt, tu as besoin de plus veiller. Veiller, comme je disais, ton choix est malade à soir. C'est beaucoup plus. Banadia, c'est beaucoup plus chose. Plus compliqué? C'est beaucoup plus compliqué. Et il a quel âge? Il a 11 ans. Aujourd'hui. Oui. Donc pendant 11 ans, ça a été comme ça? Oui.
aller des fois les diminuer, mais là, ça fait 11 ans que je suis ce traitement à l'hôpital, donc moi, je suis sur rendez-vous à l'hôpital. Mais je déprier, pas comme si je disais un enfant handicapé, il est normal. C'est juste qu'il est indépendant. Voilà, il est indépendant, il est content sur l'école, ce programme, c'est portable. Normalement, je dis à toi, portable, pas bon. Mais c'est ça, ce passe-temps. C'est son petit moment de bonheur. Oui, voilà. À lui, on ne peut pas qu'à privilégier de ça. Pas qu'à privilégier de ça, parce que quand tu privilégies, il est frustré à ce moment-là. Mais il vaut mieux que je laisse ce passe-temps, il est sur le portable. Un moment, pas une journée, ça, c'est normal. Un moment, il est supportable, il est chouette, il est tranquille. Et voilà, moi, mon courage, ma maman qui a des enfants aussi malades, donc prends courage, pas baisser les bras, toujours persévérer, parce que nos enfants, ils sont là, ils sont toujours là, mais nous besoin tout le temps, ma dire, guetti. Moi, mon courage, mes parents. Alors, on découvrait que vos enfants malades, c'était pendant la grossesse ou bien à la naissance? Non, à la naissance. Comment on apprend ça, capable de normalement, un changement? Donc, je vous pose ces questions parce que moi, il y a peut-être d'autres mamans qui sont dans le même cas que vous, mais qui ne savent pas. Oui. Capable, vous ne pas connaître qui veut dire ça, vous ne pas connaître comment vous gérer ça. Donc... C'est ça. Normalement, pour moi, c'est Yoko, je dis un truc parce que, comme on game au des autres enfants aussi, je dis à la naissance. C'est, même il est l'aîné? Pardon? Ou premiers enfants? Oui, c'est mon premier. Quand on finit dans la maison et tout, on finit bon se tuer. Donc la grossesse s'est bien passée? Oui, tout s'est bien passé. Oui. C'est à la maison le jour de... Qu'il rentre la case, qu'il n'arrive ça. Il finit, bon, mon pensée, il peut tout faire avec du lait. Il peut tout faire. Donc pour nous, c'est le premier bébé, c'est petit bébé. Par contre, il peut gagner, voilà, une panique. Nous trouvons un copain qui m'a dit, je sais pas comment on se virer et tout. Là, qui nous amène à l'hôpital. L'hôpital, elle a banane gardée dans la nurserie. C'est à ce moment-là que le docteur a demandé si il y a ça dans la famille, il y a l'autre. Mais oui, dans la famille, il y a l'épilepsie. Okay. C'est pour cela. Mais même quand on a eu des autres enfants aussi, c'est la peur qu'il a. Oui. Parce que je me trouve dit depuis naissance, mon garçon est malade. La peur qu'il a, mais attention, on a eu des autres enfants aussi, pareil. Mais tout va bien. Mais tout va bien. Mm-hmm. Dieu merci, tout va bien. D'accord. Alors, c'est surtout le soir qu'il est malade, mais c'est au géré. Oui. Oui. Alors, le soir-là, pas au milieu de la nuit, plutôt m'a dit, avant de se réveiller, m'a dit, vers 5h, 6h du matin, m'a dit, dans ce sommeil plutôt. D'accord. Et là, il est agité, comment ça? Oui. Mm-hmm. Des fois, il criait, des fois, il même pas crier. Donc, je me juste pour grincer sur les dents. Donc, toujours, sommeil bien léger. Mm-hmm. Là, je me tenais, je me viens aller sur le côté, toujours, il faut tourner sur le côté pour laisser. Maintenant, normalement, il y a des gens qui disent, attends, mettre cuillère dans la bouche, ça? Mais non. Normalement, non. Je ne mets pas. Tu veux juste aller sur le côté, te laisser quand il finit de terminer, là tu redresses. Tu veux bien laisser l'épilepsie finir à ce moment-là, là tu si tu n'as pas mené à l'hôpital pour l'être comme ça. Et c'est toujours à l'hôpital qu'il va quand il est là? Non, parce que normalement, moi, pas toujours. Mais quand il finit malade, il redormit en place. Oui. Là, quand il devait, il est de l'état. Oui, voilà. Et ça dure longtemps une crise? Normalement, il y a deux minutes. Oui. Mm-hmm. Normalement, il y a deux à trois minutes. Mm-hmm. Mais quand il reprend, il m'a dit, parce qu'au fur et à mesure que l'âge grandit, il change. Ça diminue? Non, il m'a dit, il y a deux à trois minutes. La mais pour il reprend, il m'a dit, parce qu'il reprend ce souffle. Moi, mon état épilepsie, il a un sac de trois trucs, ça. Chacun se fait aussi pour dire, c'est différent. Chaque personne est différente. Les gars, un seul côté la main virée, les gars, tous les côtés, les gars, que la bouche qui grinçait, comme ça. Voilà. D'accord. Les différents. Mais à part ça, le côté positif, que malgré que l'enfant est malade, c'est un enfant normal qui joue, qui va à l'école, il mange. D'ailleurs, s'il est déjà là, donc, je suis extra content. Et moi, tu pourrais faire une émission, tu vas le prendre tout. Il est content, ça va un truc là. Et par rapport aux autres enfants, est-ce qu'ils se sentent différents ou tout va bien? Non, tout va bien, mais juste qu'il n'est pas trop content de jouer l'Italie. Oui. Il est tranquille, voilà, il est tranquille. Oui. Mais par rapport aux filles de nos jours, oui. Ben, je suis là plus des autres qui vont encore sont là. Ce qui n'est pas faux. Oui, mais il est tranquille, il peut jouer même dans le côté, il y a souvent cousin, cousine, il peut quand même jouer tranquille, mais il n'est pas content, mais brusque comme si. Il peut jouer tranquille. Mais d'ailleurs, si ben, il vient battre, il peut dire à maman, il ne bat pas, c'est parce que c'est un bat, il ne fait pas ça. Quand tu as fait, je ne suis pas là plus tard. Tu sais, là, dominer. Oui. Mais c'est vrai, là, c'est une preuve encore que malgré les difficultés de la vie, mais on peut s'en sortir parce que Sharon, ben voilà, elle a trois enfants. Déjà,
c'est pas évident à gérer, trois enfants. Et surtout un enfant malade, mais là, il y a là à côté de moi tout sourire. Donc, il faut manzoli, persévérer, comment on dit. Voilà. Voilà. Et là, puisqu'on parle de sa plate-là, elle est consacrée essentiellement à votre enfant. Et aux mamans, peut-être un petit message à toutes ces mamans qui, comme un enfant malade qui n'est pas évident quand même tous les jours, j'imagine. Donc, un message à toutes ces mamans qui nous regardent, Sharon. Alors, normalement, oui, c'est vrai que moi, je suis beaucoup l'actualité, une maman qui essaie de cet enfant malade, se baisser ses bras, se pas connaître qui peut faire. Mais comment me dire, il ne faudrait pas se baisser ses bras. Tout le temps, bizarre, garde la tête haute. Parce que nos enfants, c'est nous la force. C'est grâce à eux qui nous pourraient s'y bouger, nous réussir à avancer. Toujours garde la foi, garde l'espoir, parce qu'il y a un bon Dieu qui l'a haute pégété. Et bien voilà, c'est si joliment dit, un si beau message. On se retrouve juste après. Nous revoici, alors nous retournons dans pâtisserie Aster. Donc, comme beaucoup de monde, nous cause mars 2020, Covid, il y a beaucoup de monde de la vie changée, il y a beaucoup de monde qui a un déclic d'une manière ou d'une autre pendant mars 2020. Et ça, il y a eu cas aussi. Oui, mon gagne un petit commande, mais pour le lancement, je lance ma page sur Facebook, mais pour plus améliorer, c'est grâce au Covid qui ça déclic là, vini. Donc, il y a quand même du positif, comment nous dire. C'était un moment difficile pour tout le monde, il y a encore difficile, mais nous besoin plus de positif. Voilà. Parce que beaucoup de monde perdent leur place de travail, chacun perd le début dans une façon. Donc, c'est pour cela que mon dit, beaucoup avant, je disais déjà, faire ma page, mais je suis un peu hésité. Parce que c'est toujours comme ça au départ. Voilà, oui. Pas connaître comment ça passe, c'est pas pour les clients, pas pour les clients. Mm-hmm. Là, je me dis non, mais pourquoi pas? C'est là qui me crée ma page, mais... Alors, on crée voilà. Ça. On rappelle qui joue? Donc, plutôt, faites faire un an, là, le 12 septembre. Oui, d'accord. Ouais, faites faire un an, d'ailleurs. Non, vous êtes qui jour de la semaine, lundi, mardi, mercredi, par rappel? Non, par rappel. Parce que là, tu fais ça? Enfin, mais chez Tila même, je dis, moi, pour créer ma page Facebook, les diamants, mais c'était toi-même. Ok, je n'ai pas dit non. Non. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit oui, oui, non, mais c'était toi-même. Toujours, je dis, laisse-moi le choix pour faire. D'ailleurs, même là, un an, je me fêtais sur ma page. Mais je fais un jeu concours, qu'elle me fait un gâteau et un mug. D'accord. Oui. Beaucoup de gens sont contents. C'est ça, de se guetter, de enfin, vous êtes content, vous êtes diamant. Donc, bien sûr, quand on a une page, l'idée, le but derrière, c'est avoir plus de commandes, c'est avoir plus de clients. Mais où qui ne crée une page, donc quand on dit Mouna dans sa page, on est capable de dire où qui se trouve, qui ne se pas trouvé ailleurs. Qui vous proposez qui... Alors, des fois, je demande moi le prix qui est un gâteau que je mettais une photo. Soit je demande moi, soit je mets un tel modèle. Là, la maman me demande mais si je tenais un modèle, envoyez-moi. Là, la maman me cave, dis comment mon cas faire dit, si pas mon cas pas faire dit ou pas et tout. En général, voilà, comme j'ai parlé du coup, c'est client. Donc c'est grâce à client qu'il travaille. Bon, c'est. Oui. Voulez. Voilà. Et quand on dit client, on a toutes sortes de qualités clients. On a aussi un client exigeant, on a aussi un client un petit peu plus facile. Oui. Donc nous avons surtout une clientèle ici, hein. Oui, il y a un client qui exigeant, je te laisse ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Mais des fois, il y en a, tu ne peux pas réaliser. Non, mais il y en a des fois, tu as une photo sur le net. Normalement, il n'y a pas pour une pareille, exactement, mais tu as un client comme ça. Mais nous, en tant que pâtissiers, nous essayons de faire mon mieux pour satisfaire le client. Et là, et le client, c'est difficile qu'il nous gagne. Nous ne pouvons pas critiquer, hein, mais c'est un partage, hein, on veut savoir. Moi, j'ai envie de savoir, en tout cas. Alors, client plus difficile qui vous gagne. Alors là, pour l'instant, je n'ai pas de client plus. Au contraire, je vais prendre une commande bientôt, mais depuis une semaine, client a fait tac-tac, faire un message, soit ça pour comme ça, soit pas faire comme ça, faire comme ça. Vous gagnez un track, quand même? Oui, oui. Comme on me disait, toi, chaque commande, je prends les points de challenge. Toujours là, le track, il est là. Mais quand tu as fini, tu as mis là, tu dis, ah ouais, c'est moi qui ai fait ça. Là, qui te réalise, oui. Tu es un petit don, mais tu aurais fait aller. Et en général, pour qui maximum de personnes qui vous font un gâteau comme si 40, 50 Oui, ça dépend. Parce que et bien sûr, tu as la nouvelle tendance. Hein, qui va un gâteau qui l'a mode, qui va un gâteau qui est plus content ou moins content, mais où par exemple, si nous causons un artiste, vous dites, toi, dans certains thèmes, vous n'êtes pas content au travail. Une couturière, le cas de toi, et dans certaines matières, il n'est pas content de servir. Mais où, en tant qu'une pâtissière, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas content de faire qui... Oui, la génoise, je n'aime pas. Ah, vous n'aimez pas. Parce que non, parce que génoise, tout le temps, tu as besoin de
faire des restes mouillés, mais sur la pâte, bien mouillée, bien tout. C'est plus compliqué. Voilà. Mais vous le faites quand même. Oui, me faire aller quand même. Mais c'est pas votre truc, quoi. Mais c'est pas trop mon truc, en fait. OK. Mais plutôt, pour moi, c'est plus gâteau chocolat. Mm-hmm. Côté dans le chocolat, ça, c'est votre coup de cœur. Oui, voilà. Mon gâteau chocolat, red velvet. Mm-hmm. Mais ne pensez bien ça. Ça a l'air comme si la tendance ça l'est. Mais ouais. Là, c'est surtout la clientèle. Et bien sûr, bonne client de téléphoner en avance. Oui. Mais nous avons aussi bonne client dernier l'air. Oui, et là. Et là, comment on fait pour gérer ça? Aujourd'hui, pour demain, si je n'ai pas d'ingrédients, je n'ai pas d'après ce qui est rodé, je ne peux pas faire. Mais si tu peux rodé un gâteau design, pas un gâteau d'étage, des samples aujourd'hui, demain, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Là, quand tu as refusé, m'a obligé de refuser. Mais on peut toujours faire le mieux, comme si pour, voilà. Pour faire voilà, plaisir aux clients. Nous parler perdre des clients aussi. Mm-hmm. Mais quand nous avons fait, nous faisons, mais quand pas capable, pas capable. Bien sûr. Et est-ce que vous avez déjà gagné aussi des cas que vous avez commandé par VinCSC? Oui. Dernièrement, j'ai gagné un. Quand tu passes commande. Donc, c'était dimanche même, là. D'accord. Que tu ne passes commande, madame, là. Enfin, j'étais vraiment depuis une semaine. Fait tel gâteau. D'ailleurs, normalement, je me prends d'avance. Mais vu qu'elle, elle travaille, elle m'a dit de venir chercher avec lui. Je ne peux pas vous dire que ça, il travaille. Venir chercher avec lui là-bas. Pas blessé. Non, pas blessé. On plaisante. Venir chercher avec lui. Mais je ne peux pas rester à CRC. Il m'a embelli pour deux mois le jour de la délivrée. Pour une livrée. Voilà. À ce moment-là, même chose, normalement, ma petite téléphone, ma client, là, je savais, mais ça a demandé, c'est pas c'est bon pour le gâteau. Ça prend le passe dans mon tête pour demander mon client, là. Je finis de faire gâteau, finis tout. Il n'arrive qu'à 4 heures, tu besoin de 16 gâteaux. Je dis, il m'a envoyé un message. Non, je téléphone. Pas prendre téléphone. Madame, vous venez chercher ce gâteau, là. Et il dit, oui, je ne crois pas dîner en dehors. Après 6 heures, pour venir. Ah, mais il a répondu quand même. Oui. Donc c'est bien. Il arrive 6h, 6h30. Je dis, attends, on va prendre chigit. Mon téléphone, non, sur téléphone, mon téléphone, non, messenger, ne prends pas l'appel. Je m'envoie un message, je lui lis mon message, mais il ne répond pas. Donc, tu as fini, connais, ça fait pas bon. Je me retéléphone, pas prendre téléphone. Je me réenvoie un message, je lui lis un message, mais il n'est pas venu du tout. Ouh. Donc, c'est pas gentil, ça. Première fois qui arrive, moi, ça. Ouh. Et m'espérer dernier. Moi, voilà, m'espérer dernier aussi. Mais sinon, là, je me si je peux revendre le gâteau, là, vendre, si pas vendre, là. Nous sommes à la maison, nous manger. Et c'était quel gâteau? Donc, c'était un gâteau, il y a plein de fruits dessus, un petit gâteau étage, plein de fruits dessus, il y a des fraises, il y a des kiwis, raisins. Ah, ben, c'est pas fait, ça tourne en jardin, ils ont aussi trouvé une rate ça. Alors, Charlotte, voilà. Une cause quelque chose de livraison. Et ça, c'est important. Ça, c'est un petit plus qui va apporter au client, donc est-ce qu'il vous livrez aussi si possible? Non, pour l'instant, non. Je ne fais pas de livraison. Mais mon diamant client, là, je de venir. Mais il demande un point de rencontre. Un point de rencontre, ouais. Ça, c'est important aussi. Ouais. Donc, là, voilà, la proximité avec ce client. Oui. Ah, ça, c'est qu'ils étaient dans ce transport, je suis venu, oui. Je viens prendre ce gâteau. D'accord. Donc là, ben voilà, malheureusement, ça fait partie, hein, oui, des cailloux sur la route, ben, voilà. Pas trop, trop sérieux, il y en a différents, différents caractères, mais ce n'est pas ça qui va vous arrêter. Non, pas du tout, pas du tout. Alors là, Sharon, il cause nous gâteau aux fruits, mais là, nous pas pour faire un gâteau aux fruits, ou pour faire un petit gâteau qui peut faire plaisir, surtout aux enfants. Donc Sharon, là, il n'est pas pour tout seul dans la cuisine, il est pour avec Mademoiselle Hayley. À tout de suite. De farine, 250 g de beurre, 250 g de sucre et 4 œufs. Donc voilà, on va mettre le chocolat dedans. Voilà, donc nous allons à l'écraser. Faire une en miettes. Pour nous capables de faire un petit bon. Ne vous inquiétez pas, je me suis lavé les mains. C'est totalement propre. On écrase complètement. Vous ne pouvez pas les faire petit bout, sinon quand vous mettez dans la bouche, vous pouvez mettre un petit peu tout ça. Vous pouvez mettre ça. Voilà. C'est écrasé. Maintenant, moi j'ai pris de la crème au beurre. Donc à part mélange avec chocolat, ce que vous avez gagné, vous pouvez faire. Moi, je prends crème au beurre. Mon crème au beurre bleu. Donc peu importe quelle couleur vous êtes là, vous êtes capable de prendre, vous êtes mélangé ensemble. Jusqu'à ce que vous fassiez une énorme pâte. Voilà, c'est bien mélangé. Vous trouvez les marmines bleues, hein? La crème là qui est bleue, mais la pâte qui est pas bleue.
Voilà. Maintenant, on va faire une un petit peu. Voilà, il y a ma fille à côté de moi. Elle est qui pour aider moi nous faire un petit boulot ensemble. Vous êtes capable de parler à la maison avec vos enfants aussi. C'est très amusant. Donc, on va faire un petit boulot. Voilà, donc on peut laisser mon petit faire un petit boulot aussi. Tu as fini d'acheter ma chérie? Oui. Voilà. Allez, je te laisse faire. Comme ça, moi, dans ce temps-là, je vais voir un chocolat. Je n'ai pas fait trop gros parce que je n'arrive pas, moi. C'est pas grave. Voilà, pour le chocolat là, nous sommes capables de faire au micro-ondes ou au bain-marie. C'est pareil. Maintenant, on finit un petit peu. On va prendre le bâton pour piquer dans le chocolat pour faire un petit bonbon pour le tenir. Donc, on peut tremper le bâton dans le chocolat et le mettre dedans. Voilà. Voilà, maintenant on va mettre au frigo un petit peu pour digérer un peu et comme ça on va tremper la sucette dans le chocolat. Voilà, maintenant on va retirer au frigo. On va tremper nos sucettes dans le chocolat. Maintenant, nous remettons au frigo, séché, pour nous faire une bonne décoration. Maintenant, nous allons faire une farine. Donc, nous allons faire un petit déco. Pour nous faire mettre là. Moi, je vais prendre du chocolat blanc. Pour nous faire mettre. Donc, pour la déco, donc, moi, les autres, à cette imagination. Je vais essayer de faire un petit bon. Voilà. Maintenant, nous allons mettre un petit vermicelle de chocolat dessus. J'ai tous les enfants qui sont contents. Ça va un petit gourmandise là. Voilà. Voilà. Et nous allons prendre aussi. Voilà, nous avons pensé, donc ça c'est complètement comestible, du brillant, or, peut nous mettre dessus, voilà, c'est très décoratif, voilà. Un petit paillette, comment nous dire. On met les paillettes dans les yeux, comme on nous dit. Voilà. Donc, nous réunions avec un chocolat blanc. Vous êtes capable de faire avec n'importe quelle couleur. Voilà, nous avons un cupcake in Paris. Donc, moi, j'ai dit un cupcake et j'ai dit un popsicle. Pour nos petits gourmands, comme les petits et les grands. Voilà, c'est prêt. Donc, maman dit à ce côté décoration,
les autres, l'esprit fait n'importe quel. Les autres imaginent un truc. Donc, là, nous, c'est faire une petite décoration pour les enfants. Voilà. Voilà, c'est prêt. C'est bon à déguster. Et bien voilà, le petit gâteau type bien facile à la portée de tout le monde, qui tout dit monde capable de faire, mais bien sûr les enfants. Si c'est pour cuire ça, il faut demander permission aux parents. Hein? Pas faire ça tout seul, c'est important ça. Voilà. Donc, les enfants pas seuls dans la cuisine. Alors, Sharon, là nous cause vraiment de tendance. Hein? Parce que gâteau aussi, il évolue, bonne décoration évolue, mais nous avons aussi bonne traditionnelle qui dit monde rodé. Ouais. Donc nous cause d'abord de gâteau traditionnel. Oui. Qui existe depuis toujours, qui peut toujours exister. Pas d'amande. Beaucoup de gens, voilà. Je suis content sans pâte d'amande. Beaucoup de gens content pas d'amande. Moi, c'est ma pâte préférée. Surtout quand faire hein? Mm-hmm. Quand faire un gâteau laitage, tout mm-hmm. ça, c'est pas d'amande. D'accord. Sinon, je suis content chocolat aussi. Oui. Chocolat. Côté, on met plein de chocolat dessus. Donc, mon gosse, c'est pas dans sa pâte, il faut content. Voilà, oui. Parce que quand tu regardes le visuel même, c'est beau. Oui. Ça fait envie de manger. Mm-hmm. Pâte d'amande aussi. C'est ça qui m'a gagné. Je n'aurais pas d'amande. Après, tu as l'autre design aussi. Design, tu as l'astère, tu as bien sûr, nous connaissons la tradition d'abord, les gâteaux au sucre. Mm-hmm. Et ça, dis-moi toujours de pâte à sucre, oui. Oui, gâteau au sucre. Là, pâte à sucre. Pâte voilà, à sucre. Oui, ça gagne son jargon, ça gagne son langage. Moi, je dis différemment. Mais ça gagne, je dis de cette façon. Oui. Tu as pâte à sucre. Mm-hmm. Après, tu as crème au beurre. Mm-hmm. Crème au beurre aussi, il y en a beaucoup, je ne suis pas content. Mais ça dépend, on va dire, qui façon qui tu me n'as qui pâtisserie là, peut faire. Parce qu'il y en a moins doux, il y en a doux. Mm-hmm. Mais vous dites, moi, voilà, justement, vous dites moins doux, donc gâteau, il fait plaisir tout le monde. Oui. Mais nous pensons aussi à des gens qui n'ont pas trop mandicique ou qui n'ont pas mandicique, dit mm-hmm. tout. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas gâteau. Moi, c'est un gâteau. Non, pas du tout. Mais est-ce qu'ils propose aussi ce service-là, un gâteau moins sucré ou pas de sucre du tout? Oui, bien sûr. Mm-hmm. Normalement, quand je ne mange pas, je suis diabétique, faire moins sucré. Donc, je fais moins sucré. Mais là, je suis content. Je suis goûté. Toujours, moi, je suis obligé de goûter le truc avant. La pâte. Voilà. Après, dans la moferie, je suis content. Je ne pourrais pas être comment. Non, quoi, après, je peux dire moi, c'est qui me content. Quand je peux livrer un gâteau, tout le temps, je vais dire à client là, faire un retour. Bien sûr. Que ce, s'il est bon, s'il n'est pas bon aussi, faire un retour. Il est bon que nous. Parce oui. que l'encouragement plus à ce oui. moment-là. Et s'il si le trouve moins bon, ne pas vous dire pas bon, voilà. Ça permet tout améliorer. Voilà. Donc, il y a aussi de bonnes critiques voilà. qui sont bon, qui nous c'est ce que je dis à client là. Uh-huh. Ça, mon cas, connaît moi ici. Uh-huh. C'est ça que me dit mon client. Et encore quand tu payes, je me rappelle toi, les bons gâteaux bons. Ça, puis ça encourage toi, m'a dit pour aller de l'avant. D'accord. C'est ça. Alors ça, c'était ben traditionnel. Nous venons c'était dans la tendance, une cause du fameux red velvet. Oui. Bien la mode en ce moment. Oui, bien la mode. Est-ce qu'il est compliqué pour faire red velvet? Non. Vu que quand on t'en fait une affaire, il va être difficile. Il n'est pas difficile, il est facile. D'ailleurs, même quand on peut faire, si un client, je m'en fais une red velvet. Donc, mon veuille, c'est fait pour moi, chip-chip. De côté. De à côté. Toujours, bizarre, mais puis fait un chip-chip. Mais là, tu as red velvet. Après, il y a des gens qui passent comment pour les enfants. Tu as à thème. Voilà, j'allais venir, l'anniversaire d'enfants, il est très, voilà. Très à la mode. Oui. Alors, qui bonnes enfants puissent rechercher? Donc, les princesses, oui? Oui, tu as princesse Sophia, tu as Moana, Reine des Neiges. Tu as Reine des Neiges. Après, côté garçon, tu as plutôt ban Avengers. Oui. Ban d'affaires Avengers, tout ça. Même Liverpool, je suis content. Liverpool, Manchester, ban truc football. Même grande personne aussi, mm-hmm. pas que des enfants, mais grande personne aussi, je suis content. Mais ban petit truc, mais toujours, ban petit design. Mm-hmm. Je suis content de faire, c'est parce qu'on est dans la cuisine, faire un petit design à la cuisine, comme ça. Donc ça, c'était les gâteaux maintenant. Et nous avons aussi une mignardise qui est très tendance, une cupcake aussi, oui. qui, surtout pour la déco. Donc, mm-hmm. où faire, est-ce qu'il vous fait ça aussi? Oui, ça mm-hmm. aussi. Tu as une tarte banane, napolitaine même, non, avec napolitaine même, tu as une petite décoration que tu fais, te mettre dessus. Même un biscuit aussi. D'accord. Un petit biscuit. Mm-hmm. Tu es ben content, je suis passé, je suis fier, je suis content. Tu as tout pour les enfants, je vais dire. Ok. Et Sharon, est-ce que vous passez tous les jours dans la cuisine à faire gâteau? Est-ce qu'il y a un jour qui n'a pas cuit gâteau du tout ou bien c'est vraiment tous les jours? Enfin, pas exactement tous les jours, mais du moment où je vais commander, je vais faire. Je ne vais pas un jour spécifique, je vais dire, mais pour faire du travail de lundi à samedi, comme ça, non. Mm-hmm. Mais comment je vais commander, je vais faire. Comme ça. D'ailleurs, il y a un projet encore à venir. Dites-moi tout.
Mal projet à venir, écoute moi, mon pion. Alors, il y a une mouche qui est dans les parages, mesdames et messieurs, mais ça ne peut pas faire autrement, c'est comme ça, c'est la loi de la nature. Hein? Ouais. Alors. D'ailleurs, ma dire, quand je parle de lancement, plus tous les jours, ma dire, faire une mini box, ma dire, quand je suis capable de vendre. Voilà. Ben, parce que les petits temps, tu parles vendre, donc tu ne peux pas capable vendre un napolitain, tu sais, soit, tu sais, me faire une mini box, que tu as 2-3 millions 10 dedans. Mm-hmm. Donc, là, la vendre. Tu connais les petits sûrs, mais ben, tu me l'as pas prendre aussi. Ben voilà. Comme en tout ça. Cas, ben, on vous le souhaite. Ah, merci. Alors, après, nous mangeons gâteau. Ben, mon pensée qui nous faisait une petite session de sport là tout de suite avec Rita. Bonjour, c'est Lida. Aujourd'hui, on va travailler un travail assez dur qu'on appelle Insanity. Allez-y avec les roues, les filles. Allez, on commence. Allez-y. On fait votre squat, le pied large et l'épaule. Allez, comptez avec moi pour avoir courage. 1, 2, 3, 4, 5. On fait le split, alternate. 1, 2, 3. Priscilla Pilato, 4, 5. On le pose bas. Tiens comme ça, la tête bien levée. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Coup de genou. 1, 2, 3, 4, 5. Ouvert fermé. 1, 2, 3, 4, 5. On fait un squat. 1, 2, 3. 5. Travaillez le triceps. Allez, installez-vous les filles. Préparez-vous. 1, 2, 3, 4, 5. Retournez-vous. Normal. On va faire le split dedans. La main à la taille. 1, 2, 3, 4, 5. Redoublez. 1, 2, 3, 4, 5. Échelle. Passez-vous là-bas, s'il vous plaît. Échelle. Allez, suivez-moi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Jogging. Gagnez votre place, jogging. Donnez-moi jogging.5, genou coude, 1, 2,
Alors, pratiquement à la fin de l'émission, donc une co-gestion de tout ce que vous faites, mais la gestion au quotidien n'est pas toujours évident pour vous, Sharon? Non, surtout avec les enfants, la guette là, comment nous tient en congé, tout ça. C'était, mais comme on n'a pas ce commande, faire gâteau, c'est assez difficile. Avec trois enfants, comment dire, un enfant malade, c'est un peu difficile. Mais moi, c'est tout un moyen, comment dire, pour tac-tac mon travail. Alors, ce tac-tac là, comment faire? Qui est-elle qui commence ça tac-tac? Tac-tac. Pénalier. 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 Comme si je me levais grand matin, là, si j'étais dans l'emploi à l'école. Je suis à l'école, les deux grands en van, moi qui suis petit à l'école, je venais, je fais mon ménage. Ensuite, je fais le gâteau, si je fais le gâteau, tant mieux. Je dis, je m'occupe moi. Après, je fais ses enfants à l'école. Donc, au même c'est celle qui était? Oui, la dernière. La petite. Oui. Ensuite, puis manger. Moi, je commence pas trop pour moi, mais plutôt je mange facile, du riz, curry, bougaï. Individuel. Oui, plutôt je commence assez pour monsieur. Là, je prépare mes enfants encore, à dîner tous les jours, mais il y a une routine. Mais c'est classe mon travail. Pas évident, je dis, avec trois enfants, pour, mais quand tu fais gâteau ensemble, surtout qu'il a petite, les deux grands, tu as assez compris, mais la petite, non, tu coûtes pour une maman là. Maman venait, même tu vas dormir aussi à soir là, les bisous à toi là, les bisous à toi là, maman te vient dormir là. Non, petit à dormir là, papa à dormir, mais des fois, je me frustre aussi. Mon portement là, on est à côté de mon bisous, mais je vais mon gâteau, occupe mon gâteau, je vais concentré. Mais quand maman vient de toi, tu es frustré, là, je suis à mon niveau surtout, même monsieur aussi. Donc, c'est pas évident, c'est humain comme sentiment. Il faut évacuer voilà. Tout ça. Mais dans tout ça, là, vraiment, justement, il faut arriver à Enzo qui a un petit moment pour vous, quand même, quelques minutes, quelques heures. Oui, moi, j'ai un livre, mais moi aussi, mais libérément un petit peu, je vais dire. Moi aussi, libérément. Il y a un jour, quand je suis en gâteau, j'ai mes enfants à l'école. Vous soit même la planer. Sieste, quand même. La sieste, non, non. Quand on a dormi la journée. Pas quand on a dormi la journée. Non, parce que mon sentiment, après, je ne suis pas bien. Je vaut mieux que je me lève tôt le matin, après, là, je me lance moi. D'accord. Mais la sieste la journée là, c'est pas trop pour moi. D'accord. De là, soit mon cas va allonger, mais pas pour dormir. De là, moi allonger toujours, peut-être un petit peu, t'as un petit TikTok pas aussi bon bien là. Bien sûr, juste pour évacuer le stress. Voilà. Alors là, avant de terminer, on dit nous trois enfants. Donc oui. Bien sûr, hein, off-record, comment nous dire contre nous. Nous puis raconte nos bons enfants, mais nous les attendons ça quelque part. Dis-nous le nom de ces enfants là. Alors mon fils s'appelle Jersey. Ma fille s'appelle Helle et la dernière s'appelle Peyton. Oui. Alors, donc, qui filme ça, mesdames et messieurs? Qui ne passait l'ont MBC, hein? Donc, vous oubliez de connaître, alors dites-nous tout. Alors, c'est les frères Scott, donc c'est ma série préférée. Ok. Tout cas, j'aimerais regretter à Stella, moi, pour regretter parce que je suis extra content ça. Tu as les frères Scott, ça fait partie de ma famille. D'ailleurs, quand je dis à moi, pour mettre tel nom, je dis à moi, un nom ça? Pas mettre ça, non, mais moi, non. Je me dis, non, je suis content, ça, je ne peux pas faire comme ça. D'ailleurs, si je suis regagné, je ne peux pas faire n'importe. Mais on vous le souhaite alors, voilà. Je vais mettre 304. Non, merci, ça suffit. En tout cas, Sharon, merci pour ce petit moment de bonheur. Merci à toi. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Merci aussi à Mikaela hein, qui nous a accueillis aujourd'hui parce qu'il nous aussi, voilà, arrivé, qu'il nous a un petit moment oui. de.
de stress d'annulaire. Michaela nous a accueillis chez elle, en tout cas, merci pour ça. Merci pour cette fidélité. Comment Sharon, une bande les autres invités, sinon on vit connaît. Comment faire pour participer dans l'émission? Ben, c'est très simple. Vous êtes connaissez ce thème, mais on vous le redit quand même. Alors, numéro de téléphone, adresse email, quelque part au bas de l'écran, écrivez-moi, téléphone-moi, vos mails. Et nous, l'équipe Poula, toujours fidèle au poste. Alors, belle journée ou bonne soirée, dépend de l'air qui peut faire comme vous autres. Bye bye! Bye bye! Femme, 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 fais-nous du soleil. Femme, 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 rends-nous les ballons rouges et ronds de notre enfance. Vous les femmes, vous les charmes.